L'émotion est grande à Castine, petite ville du nord-est des États-Unis. L'Académie maritime du Maine est toujours sans nouvelles de quatre de ses anciens élèves qui étaient à bord du cargo El Faro. Alors les familles et les étudiants se sont réunis mardi soir pour une veillée en hommage aux marins. Parti de Floride, le navire a disparu la semaine dernière dans l'Atlantique lors de son trajet vers Porto Rico. Selon les gardes-côtes américains, le cargo a probablement coulé lors du passage de l'ouragan Joaquin. À son bord se trouvaient 28 Américains et 5 Polonais. Pour le moment, un seul corps a été retrouvé.